Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence. Il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu dégénérer à ce point? On est coincés. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Tu t'en charges, Rodrigue. Ça, c'est pour mon père. Waouh! Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Ce bruit... c'était quoi? Il est pour toi. Toi, t'es fini. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Ah, j'aime pas rester à deux. Faire comme ça, on s'en prend un chacun, ça te dit? Faut bien qu'il fait celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent... la cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Merde. C'est nous qui avons... Propage. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur? J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rat. Il manquait plus que ça. Oh, les rats, le bouclier, il est intouchable, Rodrigue. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... ça vaut le coup d'essayer. Tous les livres vont brûler. C'est pas ta voix. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en l'eau. Ah, si je les chope, ils vont me payer. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Merde! Hé! Hey, tu crames! Tu crames! Oh putain! Non! 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 Ça va? Il y a encore du monde dedans? Ouais. J'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours! Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Tu peux t'occuper de lui. Tu me le diras pas deux fois.
Beau travail. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. On doit vraiment entrer là-dedans. Oui, si tu veux. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupe pas d'eux. Oh, Seigneur. À l'aide. Je ne veux pas d'ici. Allez, allez. Elle, tu m'entends? Réveille-toi. Verrouillé. Ça brûle derrière. T'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ouvre. Rodrigue, est-ce que ça va? Cours. On est presque. À gauche. Allez, par ici. Regarde, la voilà. Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui, lui? Rodrigue. Mais chut. Oh, le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi? J'arrive. Non! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Eh, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors. Ça vaut pas un garde de l'Inquisition. Mais je vais pouvoir continuer à m'entraîner.